Thank you.
tout de là. Je fais l'appel. Jean-Baptiste. Présent. Allez, let's go. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce nouveau Midi Fall Guys. Un midi exceptionnel, salut Yggven, Achali, Phoenix, oh Achali. Gros bisous, merci d'être passé en tout cas, merci d'avoir fait le petit bonjour. C'est trop gentil, salut Giraffe, Phoenix. Comment ça va? Brez Knight, bien sûr. Brez Knight, notre nouveau streamer, allez follow sa chaîne. Le nouveau streamer certifié de la bonne cam par Coop et Canap. Il est très drôle, il a une très bonne voix. Et il joue très bien à Sekiro, Shadow Die Twice. Allez, on follow tout le monde. On en a rien à foutre. Déjà de la pub, absolument. D'ailleurs, ce live est sponsorisé par Brez Knight et par SodaStream, bien sûr. Toujours. Et par Nicolas Cage. Toujours. Il sent le beurre salé et le Quingaman. Salut à tous, salut à toutes. Installez-vous confortablement. Alors ce midi, ça va être absolument exceptionnel. Exceptionnel à plus d'un titre. Déjà, à demain, Sally. À demain. Demain soir, hein, The Forest. On en reparle dans 2 minutes, donc déjà, exceptionnel à plus d'un titre, puisque déjà, je vais vous présenter le planning de la semaine. Mais en plus, je viens d'avoir la mise à jour Fall Guys, donc c'est la nouvelle saison, avec des nouvelles épreuves, avec du nouveau loot, et très, très vraisemblablement, avec des gros soucis de serveur, parce que je pense que... si tout le monde se met à y jouer parce qu'il y a la nouvelle saison, ça risque d'être extrêmement compliqué. Je pense qu'ils n'ont plus du tout les épaules pour faire venir un afflux de joueurs. Donc on va voir. Mais je pense que ça va bien se passer quand même. Salut à tous. Salut à toutes. T-shirt de folie, bien sûr. Magikarp, Cross, Hokusai, Uniqlo, les bests. Il me boudine un peu, mais il faut vraiment que je maigrisse. Je ferai du Ring Fit Adventure. Alors, bien sûr, vous savez, le lundi midi, avant les stonks, avant l'amusement, avant tout ça, il y a toujours l'abondance des Sims, la musique des Sims, pardon. Et le planning de la semaine, assez exceptionnel aujourd'hui, puisqu'il est présenté par une animatrice que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas vrai, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je me souviens absolument pas ce qu'elle a fait. Mais je suis très content de la recevoir, bien sûr. C'est Sandrine Quétier qui est à moitié transparente. Ah non, ah oui, d'accord, je vois ce que j'ai fait. Ah ben non, mais je vois ce que j'ai fait, connard, bien sûr que tu vois ce que t'as fait. Hop, voilà, t'es pas transparente, Sandrine. Alors, comment ça va? Tu vas nous présenter le planning. Oui, tout à fait, ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, quoi de neuf cette semaine? C'est toi qui présente tout, parce que j'ai une voix pour les filles, donc c'est pour ça. Alors, lundi, donc ce midi, c'est complètement la nouvelle saison, en fait, de Fall Guys, saison 4, nouveau loot pour une nouvelle vie. Oui, tout à fait, j'étais avec Nico sur 50 000 pixels, oui, tout à fait. Je suis légèrement transparente, non? Ah non, c'est bon. Demain soir, très grosse soirée du stream, hein. Tout le stream français nous envie la grande soirée Coop et Canap. Joris chauffera la salle de 18h30 à 20h. En fait, il essaye les runs SL1 de Dark Souls. Alors, c'est quoi les runs SL1, Yo Will? C'est quoi les runs SL1 de Dark Souls? Il va prendre un personnage, en l'occurrence le pyromancien, qui a littéralement... C'est vrai qu'elle a un joli pantalon rouge, on dirait une knacky. Donc elle va prendre Joris va prendre un personnage complètement nul, à savoir le pyromancien, et ne jamais augmenter ses stats. Et faire toute la run comme ça, donc du coup c'est 100% skill. On peut même pas farmer pour être plus fort, moins fort, machin, non, 100% skill. Ouais, je sais, c'est moi qui... C'est Nicolas qui présente, ce n'est plus Sandrine, c'est Nicolas. Ensuite, Sandrine, tu prends la main. Oui, tout à fait. En fait, la suite, c'est donc on continue de déforester entièrement pour faire un parking, la forêt de The Forest, qui va nous permettre gentiment
de construire eh bien une petite base qui sera absolument cocooning. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mercredi soir de 18h à 21h, c'est Everwood. Everwood, donc c'est la suite hein, de ce let's play, de ce jeu d'aventure, jeu de rythme. Un très très Nico Core, c'est-à-dire que voilà, c'est le genre de jeu qu'il y a guère que Nicolas qui peut apprécier. Salut Roblet. Ensuite jeudi gros midi hein, en 2 heures, on va découvrir avec John A Musical Story, qui est un jeu de rythme narratif hein, donc encore le rythme, et John se lancera aussi à corps perdu dans la grande aventure Ori and the Will of the Wisp. Et enfin bien sûr Youpi, c'est vendredi de 15h30 à 18h, Monster Hunter Rise hein, pour fêter la sortie, une grande après-midi Monster Hunter Rise. Alors j'ai mis 15h30 mais peut-être un petit peu plus tôt, bref, restez à l'affût. Merci infiniment Sandrine d'avoir présenté le planning, vous le savez hein, pour le mois consacré aux droits de la femme, on fait venir uniquement des présentatrices, principalement parce que j'avais loupé le 8 mars. Bref, voilà, un gros planning cette semaine, hein, très dense, on va beaucoup jouer, on va beaucoup gaulerie sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous fait envie, il va y avoir des très très belles choses. Je cherche des mouchoirs, hein, je sais pas si ça se voit. Voilà, il va y avoir des très belles choses, on va bien rigoler. Et Yokishu, comment ça va? Donc voilà, merci à tous d'être encore fidèles à notre chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Et vous voyez la dinguerie absolument phénoménale de John, voilà, ça, hâte quoi, Pécanap, machin, bon bref. C'est un monstre, c'est un dieu grec. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se lancer la prédic. Alors qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Parce que ça fait partie, je sais, pour beaucoup est-ce que je vais voter oui? Est-ce que je vais voter non? Alors ce midi c'était riz, semoule, blette à la béchamel. Léger, mais avec mon apport en féculent quand même, hein. En dessert de la glace, un petit peu de Coca Zéro pour agrémenter tout ça, et bien sûr ma Soda Stream qui m'accompagnera tout au long de ce stream. Et alors on n'oublie pas bien sûr, hein, je pense que c'est ça le plus gros élément de ce stream, c'est avant tout de se dire que c'est la nouvelle saison, qui dit nouvelle saison, dit bien sûr nouvelles épreuves, voilà, et nouveau loot, et nouveau battle pass, mais ça, on le verra en jeu. La prédiction, c'est parti, je vais chercher de quoi me moucher, j'arrive immédiatement. Oh, Lina, à 540 points, à 500 points, c'est pas beaucoup, hein. 540 points, ce n'est pas énorme. Allez, on se fait plaisir. On continue les bêtes. Il y a 17K sur le non, 6,5 sur le oui. Putain. 40K, hein, déjà, Ah non, 40K, c'est ce que j'ai, moi. Bref, nouvelle saison. Nouvelle saison pour une nouvelle vie. On va couper la Zikos. On va couper la bonne grosse Zikos et on va se lancer ça, les cocos. On va découvrir ensemble cette nouvelle saison de Fall Guys en espérant que les serveurs tiennent le coup. Alors, je m'étais dit ce midi, je fais pas de prédiction, mais je vois qu'il y a un petit déséquilibre, donc je vais mettre 5000 balles sur le oui. Voilà. 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 5000 balles sur le oui. Salut Jojo! Allez, c'est parti. 100% gaming, 100% écran sur le côté. Absolument in fucking sane.
Ça, c'était pour Everwood. Pour l'instant, effectivement, Brez Knight, tu... Non, Phoenix régale à balle sur le nom. Nouvelle saison. Saison 4 de Fall Guys. Le dernier streamer Fall Guys. Alors, il y a marqué saison 3, mais il y a le décor saison 4. Le nouveau Battle Pass se débloque dans 39 minutes. Donc, en plein milieu de notre stream, va y avoir le nouveau Battle Pass et le nouveau contenu de la nouvelle saison. Voilà, donc ça va être chouette. Ça va être chouette. Allez, on continue de bet. On n'oublie pas de bet. On n'oublie pas de bet. Wanky a sorti une vidéo sur quoi? Sur la nouvelle saison de Fall Guys? Ah oui, non, Wanky a sorti une vidéo sur Fall Guys, t'as raison. Putain. Alors, je suis pas encore le dernier streamer Fall Guys de France, hein, mais je vais le devenir. Hein. Je vais le devenir. Hein. Pour le moment, c'est vraiment Phoenix hein, qui tient le nom de tout son corps, hein, mais vous pouvez continuer à voter. 6 pour le oui, dis donc. C'est vrai qu'en termes de stats, c'est ce midi. Hein. Si tu prends en termes de stats pur, c'est ce midi. Hein. Là, on va découvrir des épreuves et tout. Hein. Ça va être fou. Hein. Ça va être fou. Ce qui serait fou aussi, c'est que les serveurs tiennent pas. Pour l'instant, ça tient parce que je crois qu'ils n'ont pas encore communiqué officiellement que c'était sorti. C'est parti, première nouvelle mission. La ville a vu d'en haut. What the fuck? En fait, juste what the fuck. Ok, labyrinthe. Putain, y a du monde, hein. C'est un sacré bordel, hein. Ah oui, et puis j'ai un nouveau skin de grenouille mécanique. Ah oui, d'accord, il y a moins de gravité là dans ces merdiers. Ok. Oh, qu'est-ce que... Ah putain, les planètes, elles nous tapent. Elles nous pétavent. Oh non, je suis nul. En tout cas, c'est très très rigolo, le petit effet sonore là de ralentissement, c'est très très rigolo. Oh putain. Allez, soyons vigilants avec ces trucs ronds là, je sais pas ce qui en sort, mais je pense pas que ce soit très bon. C'est sympa ça, tiens. Ah, yes! Et en fait, en appuyant sur les boutons, ça fait apparaître ou disparaître des murs. Ça, c'est ce que j'appelle quelque chose de plutôt rigolo. Ok, let's go en fait. Ah putain, mais faut tomber dans ce merdier là! Ah non, mais quel con! Oui, bah deux secondes. J'arrive. Voilà. Ah putain! Mais c'est pas possible! Ah, je me fais tabasser. Aïe. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est long, hein. Ah ouais, ok, d'accord, on peut monter comme ça? Allez, let's go. Casse-toi! Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, ok, je monte comme ça. Le message est passé. Alors, j'ai vu le skin fusée, mais je me suis dit, littéralement, tout le monde va le prendre. Donc, je me suis pas laissé faire. Putain, bah, c'était sympa comme tout, hein. Un peu laborieux, mais sympa, hein. On dirait l'Assemblée nationale. Ouais, c'est vrai. C'est la première réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, putain, c'est dingue, on dirait exactement qu'on est dans l'Assemblée Nationale. Et ouais, des nouvelles missions! Laborieux en faisant top 15, ouais, non mais... laborieux quand même, hein! Je suis un fast learner, hein, je suis ce qu'on appelle un fast learner. Donc c'est-à-dire que j'apprends extrêmement rapidement. Extrêmement. Bien ça! Putain, je suis content. Content. Eh, c'est cette semaine, hein. C'est cette semaine, normalement, le top 1. Mais bon.
Salut Reed! Elle a plus fourni cette saison en contenu. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai l'impression qu'on parlait de 7... de 7 nouvelles épreuves. Donc, bon, c'est bien, hein. C'est bien. Ok, les classiques, un classique. Ah, on est deux sur le nom maintenant. On est deux sur le nom, c'est bien. Vous pouvez continuer de voter dans les prédictions. Sachant que, effectivement, ce midi, je le sens bien. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la nouvelle saison. Et ils ont fait la mise à jour, genre, une heure avant le début du stream. Donc déjà, rien que pour ça, je me dis, c'est bon signe. Et en plus de ça, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et on a une très, très grosse semaine de stream cette semaine. Très, très grosse. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça sera énorme. Énorme. Ok, let's go. Pour l'instant, ça se passe. Ça va toujours sans embrouille, hein. Alors, on va essayer de monter là. Oh là 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 là, mais quel génie! Oh, regardez-moi ça, c'est une masterclass! Une masterclass! Petite découverte de Monster Hunter. Le petit prince du Fall Guys français. Ah oui, c'est pour toute la session, la prédiction. Hein. Ah bah, en général, je peux pas... C'est-à-dire, si je fais chaque game, est-ce que je fais top 1, est-ce que je fais top 1 ou pas? On s'en sort pas. Hein. Parce que très souvent, c'est non, quand même. Donc plus personne va jamais voter oui, et ça va être une catastrophe. Hein. Tu joues quelle arme sur Monster Hunter d'ailleurs? Le lance-flamme. Les échalotes. Les échalotes. Voilà l'arme que je joue sur Monster Hunter. L'échalote. Non, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Je me suis vraiment pas du tout renseigné sur le jeu. Donc autant, ça va pas me plaire du tout. Mais bon, on s'en fout, c'est un jeu qui sort, Day One. Voilà. Voilà, écoute. De toute façon, je vais y jouer. Allez, let's go. Celle-là, on sait, hein. On sait qu'on peut faire la différence. Oh, je me suis très bien débrouillé, là. Parce qu'on a une pastèque qui a failli être décisive. Il y a trop de monde devant moi, et ça me... J'essaie de m'excentrer un petit peu du pack. Yes, aïe! Bien sûr! À gauche, ils étaient plus bien. Fais en sorte que le live soit pas trop bien, que je me ruine pas. C'est tout ce que je me souhaite. Tu sais, hein? La qualité des lives, elle est aléatoire, hein? Donc, y a pas de... La semaine dernière, j'ai pué la merde. Hein. On n'a jamais eu autant de monde sur le live, et pourtant, je pue la merde. Hein. C'est austère. Eh bien, écoute. Eh bien, écoute. On découvrira. Et on va découvrir. Tâche de ne pas basculer dans la gélatine et fais attention au canon. Oh. Ah oui, oui, oui. D'accord, j'avais pas compris, quiche. La semaine dernière, c'était insane. What the fuck? En fait, juste what the fuck. C'est quoi cette épreuve? Il y a déjà un qui est tombé. Ouf! Ouf! Attention à cette planète. Elle peut déjà être décisive. Comme dirait l'ami Denis Brognard. Oh là là! Embarqué par la foule! Oh non! Salut Topiro! Map Disco! Ouais, la nouvelle...
On peut revoir le clip de la finale Vendanger. Ouais, Stéphanie l'a fait, hein, donc normalement il doit exister quelque part. Hein. C'est vraiment la définition du gâchis, ce clip. La finale, première finale, hein. Première finale ce midi, déjà les hexagones infernaux. Il y a très peu de chances que je la remporte, mais si je la remporte, ce serait tout bonnement exceptionnel. Exceptionnel. Est-ce que cela va arriver? Réponse immédiatement. Attention, concentration FIFA 12. Un petit peu trop près de la licorne. Il y a de la place. Casse-toi! Pardon. Tiens, chais. En tout cas, pour l'instant, on est tous plus ou moins au même niveau, hein. Oh non, quel connard, j'avais une auto-putain de route. J'avais vraiment une autoroute. Qu'est-ce qu'il branle là, lui? Non, c'est non. C'est non, mon vieux. Tu descends avec moi. Destination Porto Rico. Attends, parce que lui, il est en train de me la faire à l'envers. Il y a de l'envertissage ici. Allez, on essaye. Non, non. Oh mon dieu, cette chute. Elle est décisive. Allez, le but maintenant, c'est de rester. Encore 10 éliminations. Allez, j'ai vu qu'il y avait un éliminé là qui était passé. On va se faire ça tranquillou. On va essayer d'être juste vigilant. Et ça y est, c'est fini. Parce que cette connasse de tomate. Non, 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 ça c'est non. Ça c'est non. Connasse de tomate! Oh, peut-être! Oh, l'autoroute! On va voir. Allez, restons stables, restons calmes. On n'oublie pas. Pas de shaming. 9, 10 éliminés. Oh, c'est la win! Oh mon dieu! Les prédictions complètement folles! Déjà, il est à peine midi 33. À peine midi 33 et déjà une première victoire dans cette nouvelle saison de Fall Guys. Let's fucking go. Ils n'y ont pas cru. Et pourtant. C'est la victoire, avalanche de pingouins. On équipe cette avalanche de pingouins. Juste let's go. Ça caps lock comme jamais dans le chat. Ça caps lock comme jamais et c'est tout à votre honneur. Elle est pour toi celle-là, Nicolas Cage. Elle est pour toi celle-là, mon pote. Elle est pour toi. Et c'est une première victoire. Rendez-vous compte. Terminer les votes, choisir le résultat, bien sûr qu'il y a une prédiction et on va en commencer une autre immédiatement dans la foulée. Immédiatement. Un deuxième top 1. La grenouille de la honte au placard, j'y étais. Dadgiraf, tu pourras le dire, j'y étais. Allez, ça caps lock. Tout le monde a emmagasiné, c'est bête, c'est oui, c'est non, et je me sens ultra chaud, peut-être un deuxième top 1 ce midi. Vous l'avez vu, ce joueur est capable de tout. Il est capable du meilleur comme du pire. Peut-être un deuxième top 1, peut-être. Ah, attendez, je l'ai mal dit. Attendez. Oh, bien sûr, Oblé, un sub Atomium. Un autre top 1, parce que comme ça les gens savent. Merci Atomium, Liberté. Allez, j'ai remis... Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus longtemps possible. Mais on peut mourir tranquille. Liberté, putain, pour tous.
C'est un reblé. Cette personne a offert 13 subs sur cette chaîne, ça fait énormément d'argent dépensé. Beaucoup trop. Allez, j'ai relancé une nouvelle prédiction. Est-ce que oui ou non, il y aura un autre top 1 ce midi? On renvoie la tunasse. Gring, 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 gring. Et bien sûr, les serveurs de Fall Guys en position latérale de sécurité. Pour la nouvelle saison, il fallait s'y attendre. Mais on s'en fout, on s'ambiance à fond sur la musique. 10K sur le nom. 10K sur le nom. Rendez-vous compte. Allez, peut-être. Allez, allez, les serveurs de Fall Guys, vous pouvez pas m'arrêter maintenant. Pas après tout ce qu'on a vécu comme émotion ensemble. Vous ne pouvez pas arrêter ce stream. On l'appelle la moissonneuse de Fall Guys. Tous les top 1 sont pour lui. Les serveurs sont COVH. Horrible. Horrible. F. F to pay respect. Serveur d'OVH. Petit ange parti Toto. Un back to back. Alors, si les serveurs le veulent bien, bien sûr. Pour l'instant, c'est non, hein. F, F pour les serveurs de Fall Guys. Est-ce que ce stream Fall Guys à peine démarré est déjà terminé à cause des serveurs en mousse? Ah, ça y est, ça y est, ça y est. On repeuple, on repeuple. Allez, ça va le faire. Ça va le faire ce coup-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les prédics? Qu'est-ce qui se dit? Ah, déjà, on est plus quasiment sur un 50-50, hein. Le rapport de force est déjà un petit peu plus équilibré. Allez, on démarre. Yes, I, let's go. Bon, même si c'est les mêmes épreuves, de toute façon, voilà, on verra. Est-ce qu'il va réitérer l'exploit? Deuxième top 1, peut-être à venir aujourd'hui sur Coop et Canap. La seule chaîne qui diffuse encore Fall Guys. C'est pas vrai, malheureusement. Mais j'espère un jour pouvoir le dire et que ce soit vrai. Allez, let's go. On va tenter le top 1 déjà sur cette épreuve. Déjà, très très joli enchaînement. Putain, c'est vraiment stylé la physique. Oh, il l'a vu, il l'a tellement vu. Ah ouais, putain, ça balance des étoiles sur les gars d'en face, en fait, c'est énorme. Oh non! Oh non! Terrible decision making. Allez, on avance, on avance. Oh là là, oui, bien sûr, l'autoroute du fun. L'autoroute de l'amusement. Allez, on va essayer. On va même essayer ça. On va même essayer ça, on en a rien à foutre. Oh, quel dommage! C'est oui. Pour l'instant, c'est oui. Oh, quel dommage! Allez, c'est pas grave. On monte à patte. Non, on va le faire ici. On va le faire ici. On se sent littéralement pousser des ailes. Mais qu'est-ce qu'il branle, lui? Bon, allez, c'est bon, ça m'énerve. Quand j'étais tout seul, c'était sympa. Là, maintenant, c'est plus sympa. J'aime beaucoup, là, qu'ils aient mis un petit effet musical en... Wololo, salut John, tu as déjà loupé un top 1. Tu as déjà loupé un top 1. Ouais, il y a encore Mass Streamer Fall Guys. Mais surtout aujourd'hui, c'est le jour de sortie de la nouvelle saison. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va y en avoir le plus que ces derniers mois. Non, non, j'ai encore pas mal de...
J'ai encore pas mal de marge avant d'être le dernier streamer Fall Guys, mais c'est mon objectif. Ouais, c'est sympa le son dans l'eau, ouais. Long John Canap. Allez, on continue de prédire encore 24 minutes avant la fin de la prédiction. N'hésitez pas, il y a déjà eu un top 1. Mais est-ce que Nicolas fera l'exploit encore jamais vu de faire un deuxième top 1 ce midi? Ça serait inédit, hein. Ça serait inédit, hein. À main nue, absolument. J'ai pris les mecs. Comme je prends Nicolas Cage, là, et j'ai fait... Damn! Ouais, déjà un premier top. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Voilà, exactement. Yggven te l'a dit, comme ça. Qu'une baraque à frites du Nord, bien sûr, les ch'tis. Je suis deg de pas avoir beaucoup de ch'tis dans le public. J'espère qu'il y en aura à terme, parce que j'ai beaucoup d'amis ch'tis et j'aimerais bien que... Oh, c'est nouveau, ça me plaît. Ça, c'est nouveau. Oh, ouais. On peut passer par en haut comme par en bas. Ouais, ça me plaît bien, cette histoire. Ouais. Allez, c'est parti. Yes, I. Ah non, on peut pas passer par l'intérieur. Je voulais juste valider ça. Let's go. Tout le monde est plutôt chaud. Ah là là, c'est vraiment pas mal, hein. Ah, j'aime bien. Mais casse-toi, toi! Pardon, hein. Mes excuses aux familles des sinistrés. Oh non! La suite! On la connaît. Debout, 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 debout. Tu as rendez-vous avec ton destin, petit Fall Guy. Oh putain, il y a plus beaucoup de place. Il y a plus beaucoup de place à prendre. Est-ce que c'est assez long? Oui, c'est bon. Elle est prise, cette place. Elle est prise, cette 21e place. Salut Stéphanie, tu as déjà loupé un top 1 légendaire. Ah ouais, non mais... Alors, Stéphanie qui arrive et qui dit « Hello, qu'est-ce que j'ai raté ?» Je pense que tu ne t'attendais pas à ce que... À ce que... À ce que t'es déjà ça, hein. Faut que je continue à sponsor le stream de lundi. Ouais, putain, c'est vrai, Brez Knight, hein, n'oubliez pas. Qui a présenté le planning? Ouais, bien sûr, Sandrine Quétier. Sandrine Quétier. Elle est là. Elle est là, ma Sandrine. Viens là, ma grande. Oh, merde. Allez, vite avant que l'épreuve se lance. Elle est là, Sandrine. La trappe queue en équipe. Sans doute l'un des plus grands classiques. Sandrine, quoi? Knacky gueule. C'est vrai que son pantalon, on aurait dit des knacky. Allez, c'est reparti. Conserve ta queue. C'est ce que je me dis tous les jours en me levant. Allez, mon Nico. C'est pas aujourd'hui que tu vas la perdre. Hop là, salut mon pote. On va passer au milieu. On tente des moves un petit peu risqués. Oh le bâtard. Reviens là. Ok, on va faire. Et vous le savez très bien, vous l'attendez pour ça, cette épreuve. Et salut mon pote. Allez hop, je me casse. Ah, le piège. Le piège. On a tellement de queues qu'on pourrait en ouvrir un magasin. 7 queues pour les bleus. Les verts en position latérale de sécurité. Allez, on va peut-être se prendre, bien sûr, le marteau, histoire d'échapper. Ah, pour l'instant, tout se passe bien. 7 queues pour les bleus. Complètement décisif, hein. Mais vous savez, tout peut se retourner d'un instant à l'autre, ce n'est pas grave. Car avec la superbe technique... Salut mon vieux! Allez, je me casse! J'adore cette technique, hein, vraiment. Hein. C'est pour cette technique, littéralement, que j'aime cette épreuve. Allez, il faut en prendre une à la fin, là. Non, non!
Oh, ils m'ont tous sauté par-dessus. Oh non. Mais pour l'instant, c'est encore une égalité. Allez, le vert, le vert, le vert. Oh non, c'est fini. Oh, c'est fini. Pourquoi il chez John, le streamer, c'est vrai. Allez, F, tout paye respect. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai l'impression, vraiment, hein. J'ai l'impression que les serveurs sont un petit peu... marchent sur des œufs, hein. Parce que là, dans 13 minutes, la nouvelle saison démarre officiellement. Pour l'instant, on n'en est qu'à la 3. Fais plus attention à ta queue, non, une pipe. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Allez, ouais, c'est pas grave. T'as raison, Topiro. On n'y pense plus. Tout ça, c'est du passé. On a le regard tourné vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est le deuxième top 1 de cette matinée. De ce midi, pardon. Exceptionnel, et vous avez encore 18 minutes pour voter si oui ou non vous pensez qu'il y aura un second top 1. N'hésitez pas, les canapoints, c'est le prochain Bitcoin. C'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk. Enfin, il m'a dit ça par chat. Absolument, je sais que Stéphanie sera là pour clipper les moments un petit peu durs. Mais en même temps, sans les moments durs, les moments joyeux n'auraient pas la même force. Donc, yes, the yes needs the no to win against the no. Elon Musk. Le canacoin. Allez! Il était en live en recevant son subgift, ah bah il doit être content. Pour le coup, ça, il a pas trop dû le capter, quoi. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit heureux. Pour l'instant, la première place, hein. Incontestable. Oh, oh là là, je me suis fait bamboozled. Je me suis fait bamboozled. Alors, on tente des moves un petit peu risqués, mais en même temps, si c'est pas maintenant qu'on les tente, c'est jamais. Oh non, quel connard! C'est bon, c'est bon, c'est bon. On y est. Ah ouais, non, bah Stéphanie, c'est sûr, hein. Sous le motif éventuel top 1, ouais. Les réunions à midi, ça devrait être interdit. Les réunions qui débordent sur le midi, c'est non. Ça, c'est non. Oh, Jojo, t'as loupé déjà le deuxième top 1. C'est là que t'apprends que des collègues suivent aussi Coop et Canap, ouais. Mais on va faire des bonnets. On va faire des bonnets, Coop et Canap. Comme ça, tu pourras aller au travail en bonnet. Et les... Non, c'est pas vrai pour le deuxième top 1, Jo. Pardon. Pardon, c'est faux. C'est faux. Par contre, vous pouvez continuer de voter, hein. Les prédictions pour le top 1. Des bonnets Coop et Canap. Je suis la chaîne Coop et Canap, et vous? Et vous? Je peux ralentir la rotation terrestre pendant 2 minutes. Eh bien, j'ignorais. Des bonnets de bain. Oui, des bonnets pour la piscine. Des bonnets. Ça, c'est une très très bonne idée. Des bonnets pour la piscine, Coop et Canap. Vraiment, c'est très spécifique, hein, comme usage, hein. Putain, le t-shirt. Eh, vous chauffez sur le t-shirt, hein. Vous savez qu'on serait en négatif, hein, parce qu'on n'est pas non plus une communauté énorme, hein. On est pas mal, mais on n'est pas énorme, hein. Ok, Jo, achète-moi 200 000 t-shirts. On va arroser le marché. Ah ouais, avec un par gars. Moi, mon maître à penser, c'est Joris de Coop et Canap. Et vous? Moi, j'ai déjà couché avec John de Coop et Canap. Et vous? Bon, là, il y a du monde chez les rouges, hein.
Ah le bâtard, bien défendu le Doomguy. Chez nous c'est la Bérésina. La Bérésina. Allez c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on continue. Putain c'est compliqué hein. Elle est compliquée cette game. Allez, j'envoie un jaune là. J'envoie... Ah putain, il était presque chez nous. Elle est compliquée cette game. Hein. J'allais dire, ce que... là où je suis content, c'est que ça défend plutôt bien chez nous. Et puis j'ai vu notre chiffre redescendre. Allez, c'est bien. C'est bien. Oh non, il est immédiatement transformé en ballon bleu. C'est un ballon bleu adossé à la colline. On est vraiment en train de se faire bananer. À moins que... À moins que, regardez-moi ce compteur là-haut, non, 1-1, égalité, allez, le 2, le 2. Ah, on y va. On pousse fort et vite, on pousse fort et vite. Égalité pour la dernière place, toujours, regardez ça, le ballon, qui fait la lead sur la dernière seconde, c'est extraordinaire. Moi, mon top 1 dans mon cœur. C'est John. Et ça passe pour le joueur français, ça passe pour les jaunes. C'est pour le moment 52% sur le oui, 48% pour le non, pour ce deuxième top 1 de la matinée déjà. Fin du vote dans 13 minutes, tout est encore possible. Ah putain, un t-shirt, Will, Will a cassé mon setup. Est-ce que John est soluble dans le jus de pomme? La réponse est oui. La réponse est oui. Oh putain, un t-shirt fait de ta passion ton métier, tu n'auras plus à travailler de ta vie avec ma BP Discord. Ah putain, ouais. Ah putain, mais ouais. Ah, oh, je suis mort. Je suis mort. Ah, ça me bute. Ah oui, avec ma photo comme ça. Ah mais c'est mes photos professionnelles et je les ai perdues. J'aimerais bien la retrouver en qualité haute. Ah ouais, je ferai un mème. Je ferai un mème comme ça. Il y en a un qui est tombé. Et c'est un peu l'Archuma parce que franchement, tomber là, à ce niveau-là de la compétition, c'est pas... Poète, poète, poète. Pareil, hein, là on retombe dans les grands, grands classiques de Fall Guys saison 1. Souvenez-vous, hein, quand on a lancé la chaîne Twitch avec Fall Guys, eh bien c'est sur cette épreuve qu'on s'est le plus fan du la prune. On a. Est-ce qu'il est 13h? Non, pas encore. À 13h, hein, on a le nouveau game, le nouveau Season Pass qui sort. Wow, wow, wow. Oh la jolie jumper. Allez, ça tombe là, hein. J'ai vu chuter en haut à droite, dans le kill feed. Encore. Allez, on va passer un peu sur le money time de cette épreuve, hein, vous le savez. Tout peut arriver ici, dans le couloir de la mort. Oh là là! C'est pas beaucoup tombé, hein. Yo, mauvaise herbe! Ah, c'est vrai qu'on a Topiro qui fait Blasphemous en live, hein. Pareil, hein, Topiro, hein, de la... les canapos sont du talent. Il fait que du textile, eh oui. Des badges avec les dessins d'Arctic Phone. C'est vrai qu'il y avait des œuvres d'art. Hein. Il y avait des perles. Allez, c'est parti. Alors, elle est pas très dure, mais il faut être concentré. Hein, parce que quand même, ça peut aller très très vite. On va pas se prendre des planètes dans la gueule. Je pense que c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école de la vie. «
Putain, c'est cool, les nouvelles épreuves, là. Let's go. Ouf. Ouf. Barrez-vous, barrez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouh, attention, la manette. La manette de Stadia. Elle ressemble vraiment à la manette de Stadia, pour le coup. Petit ange parti trop tôt également, hein. Non, non, non! Non, non, non! Ouais, c'est pas grave, c'est dans le passé, tout ça. C'est dans le passé, tout ça. Plus que 3 minutes 40 avant le nouveau... John, bon appétit! Non, mais en fait, alors je suis pas tombé, effectivement, t'as raison, Jo. Mais en fait, la plateforme était en train de descendre comme ça. Et moi, j'étais là. Et du coup, à un moment, ça a touché l'eau. Et chou blanc. Juste chou blanc, en fait. On sait quand la soirée raft commence, mais on sait pas quand elle termine. Pas mal aussi. Pas mal comme phrase. J'aime bien, ouais. A bientôt, Yven. Merci d'être passé. Ça faisait un petit moment, c'est cool. C'est cool que tu sois passé. Gros bisous, à la prochaine. Et bon appétit à tous ceux qui mangent, hein, bien sûr. N'oubliez pas, hein, manger en regardant le Digestream, c'est une digestion qui arrive à son terme en ayant fait le taf. C'est un slogan un peu long, mais voilà, on a payé des équipes qui ont travaillé dessus, et effectivement, il est un peu long. Effectivement. 14 spectateurs, c'est beau, ouais. Non mais c'est vrai, hein, attends, Fall Guys, ça ramène du monde, hein. C'est un peu niche, mais ça ramène du monde, hein. Fall Guys, c'est un peu niche, hein. Ça ramène du monde, hein. 3 minutes avant la nouvelle saison, avant l'officialisation. Je pense même qu'ils vont mettre un petit Olive. Salut mon pote. Salut mon pote. Installe-toi confortablement. Il y a Martin normalement. Allez, juste let's go. Déjà un premier top 1, hein, ce matin. Enfin, ce midi, à midi et demi. Hein, première game, premier top 1. C'était juste surréaliste. Et pourtant, c'était si beau. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le rêve américain? La réponse est oui. Donc la prédiction, c'est bien sûr pour un deuxième top 1. Hein. Les points du premier ont été rétrocédés. Oui, c'est bien. Niveau famille, on a roblé. La sœur est pas là. Non, mais la match est déjà faite, hein. La match est déjà faite, hein. Ça va pas me kick. Ah, Stéphanie, tu sais, hein. Tu sais, hein. Tu pars chauffer ton repas, tu reviens, tu sais pas comment ça se termine, hein. 180k viewers sur l'échappée hier. C'était le truc de vélo, c'est ça? C'est rigolo, ça, hein. C'est bien que ça ait bien marché. Bon, c'est des gens sympathiques, hein, qui y participaient. Exactement, le paternel, c'est des surprises, hein. Ouais, il y avait un gros cast, hein. Il y avait un joli cast, hein. Allez, 5 minutes avant la fin de la deuxième prédiction de cette matinée. Et tout est encore possible, hein. Parce que regardez, on est en télétravail. On est en télétravail. Ça veut dire que les games peuvent commencer jusqu'à 14h. Oh non! C'est pas grave, hein. Vraiment, c'est pas grave du tout. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris... Oh, mais c'est pas vrai, mais barrez-vous! Mais barrez-vous! Ouais, c'est bien ça. Allez, YOLO. En direct pour la YOLO zone.
m'énerve déjà cette licorne. Putain, elle est bien complexifiée là avec toutes les scies partout là. Ouf. Merde. Allez, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aura de la place pour moi encore? Ouais, je pense que oui. Oui, c'est bon, c'est bon. On passe dans les 32. J'aime bien le FC Silmi du lundi soir. C'est pour ça qu'on stream pas le lundi soir, pour pas leur faire de l'ombre. On est obligé. Et c'est tout à notre honneur. Ouh là là, il y a du pognon sur le nom là. Hein. 26K. Alors je vais voter oui. Alors je vais voter oui parce que j'ai envie d'y croire. La dernière fois que j'ai tout mis sur le nom, t'as fait top 1. Ouais, ça m'encourage, mais c'est vrai, parce que j'ai presque envie de faire un top 1 pour t'emmerder, Olive. C'est comme ça, notre relation, elle est comme ça. Elle est complexe, elle est très complexe. Mais j'ai presque envie de le faire, ça y est, hein, il est 13h, puissance électrique, une nouvelle épreuve encore. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas lu. Attrape des piles et colore des zones pour gagner. J'ai rien compris. J'ai rien compris, c'est juste insane. Allez, on attrape les piles. Et on colore des zones. Et moi, je vais direct au charbon. Attends, pourquoi ils le font 80 par 80, eux? Casse-toi avec ma pile. Casse-toi avec ta pile, toi! Casse-toi avec ta pile! Tiens. On se bat pour une pile. On se bat pour une pile. Mais quelle pile! Allez, c'est long. Hop, tu lâches ça. Ouais, c'est bien. Vas-y, attrape-moi, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais avec ta pile, toi? Je suis 0% décisif sur cette game. Tot. Allez, on va colorer chez les bleus. Oh, la musique est trop cool, putain. On est en territoire ennemi, les amis. Le joueur français, complètement. Qu'est-ce qui branle, le 2, là? Ouais, mais eux aussi, ils sont en territoire nous, hein. Allez, c'est bien, on a repris la main, c'est insane. À quelques secondes, mon dieu, c'est fou. La bagarre. Les bleus doivent être en train de chialer. Quel midi, hein, on est touché par la grâce, hein, ce midi, hein. C'est chaud, hein. À ça. La trappe-queue, bien sûr. La trappe-queue individuelle. J'ai mal là. Ça, c'est les grands sportifs qui ont ça. Ah, ce midi, je suis chaud. Hein. Ce midi, je suis chaud comme une baraque à frites. En plus, on a une semaine de stream en tout point exceptionnelle. Allez, on va aller attraper le chat. Viens là, mon grand. N'oublions pas, hein, on peut passer une minute trente à choke comme des bâtards. L'important, c'est la dernière seconde. Hop là. Tac, bien sûr. Les tétons de l'espace. Hop là! À l'amande. Le chat, bien sûr, qui a voulu récupérer sa queue. Hop là, c'est à l'amande, ça aussi. Oh là là, mais je brain mes ennemis comme s'il n'y avait pas le lendemain. Je crois que le chat a lâché l'affaire. Hein. Ouais. Il est allé en chercher ailleurs parce qu'il s'est dit oula. Là, il y a du level. Oh là là, regardez-le lui. Allez, c'est non.
Oh non! Reste là, reste là, reste là, mon vieux. Viens là, viens là, viens là. Non, mais viens là, descends. Bon, je m'en fous, on se barre. Oh, le chat, non, putain. Allez, ça se casse. Ça dégage, ça se nachave. Et ça monte. On monte, et on va... Non, il s'est arrêté! Oh, il l'a pris, mais c'est pas la mienne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est la win, c'est la deuxième finale de cette matinée. Deuxième finale. Extrêmement chaud aujourd'hui. Extrêmement chaud. C'est fait. Il y va. Il va au bout. Oh, j'ai mis des esquives. Hein. J'ai mis des roucoulettes. Hein. J'ai mis des roucoulettes. Je sais ce que je vaux. Et là, j'ai mis des roucoulettes. Allez, c'est reparti. Hype. Hashtag hype. La grimpette. On y va. Peut-être un deuxième top 1. Aujourd'hui, tout le monde sur la ligne de départ. Les 8 joueurs. Position FIFA. Ok, plutôt bien. Personne sur ma gauche, ça me laisse beaucoup plus d'espace, c'est là où je suis le meilleur. Et c'est parti. Allez, on le sait, hein. La montée, tout peut déjà être joué maintenant. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Attention à cette boule, elle peut être complètement décisive. Pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Les tétons vont très très vite. Oh non ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est loin d'être terminé. Ça y est, c'est terminé. Allez, c'est pas grave, on continue d'y croire. L'important, c'est d'y croire sans s'en apercevoir. Disait un grand homme. C'est perdu. Non. Elle est extraordinaire, cette animation. Je la veux. C'est simple, je la veux. Elle est trop bien. Par contre, il me semble que du coup, on est parti sur le nouveau Season Pass. Non. Non. Ah, ça y est, nouveau Season Pass. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner, là? L'alien hirsute, c'est déjà oui. Allez, c'est parti. Le gros ballon dans la gueule. Ouais, c'est vraiment ça qui s'est passé, hein. C'est vraiment ça. Le bon gros ballon dans la gueule. Allez, c'est pas grave. Il nous reste une bonne heure. Pour créer l'exploit et écrire l'histoire sur cette chaîne. La musique est vraiment coolos, hein. Ouais, je peux pas monter plus. Ah ouais. Deux top 1 le midi, ça serait une première. Ça serait une première. Et surtout, surtout, c'est la nouvelle saison qui vient de démarrer il y a 9 minutes. Et je pense qu'il va y avoir des problèmes de serveur. Voilà. Donc, on va voir comment ça s'organise. Mais je suis pas persuadé qu'on pourra aller au bout du stream. Si on peut y aller, c'est magnifique. Hein. Ils ont fait un beau taf sur les serveurs. Hein. Mais... Mais ouais, je sais pas. Il y a des nouveaux jeux. Ouais, il y a au moins... Eh ben, combien on a fait de nouvelles épreuves? Là, on en a déjà fait 4 et je crois qu'il y en a 7. C'est le moment... Alors, c'est vraiment le moment d'écrire l'histoire. C'est vraiment le moment d'écrire l'histoire. C'est maintenant qu'elle se joue. Peut-être avec cette nouvelle game qui démarre très très fort... Par une très jolie ruée vers les portes, on sait que Nicolas, aux enfants de nos petits-enfants, on leur dira « j'y étais, quand le dernier streamer Fall Guys de France, mais si tu sais, il a 80 ans maintenant, et ils sont plus que deux, et ça fait 60 ans qu'ils se battent. » Ambiance disco, ouais, ambiance turfu. Ambiance turfu 3000. J'adore ce jeu.
Allez, c'est parti. Ah, c'est un risque, hein. C'est un risque que d'être le premier dans cette game. Aïe, 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 voilà. Qui n'a pas payé. On est déjà en queue de peloton. Mais on peut créer des ouvertures, on peut écrire l'histoire. Oh là là, regardez ça! Power boosted! Oh là là, je suis power boosted à balle. Castez-vous. Alors les gens Castexos, ça Castex? Yes, I. Allez, on prend un joli élan. Ouais, on va être bien là, on va être dans les 15 premiers. 16e. Mais si tu sais, les auteurs des Aventuriers de la Plaine. Ah là là, Topiro, toujours hein, à remuer le couteau. T'as raison. C'est ça d'être un influenceur. Je suis pour les bons et pour les mauvais moments. Ça roule, bah c'est bien, ça c'est un peu old school but cool. Il y a plus de bons, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plus de bons. Combien de rouleaux? 5 rouleaux. Le setup à 5 rouleaux. Allez, un petit peu gourmand, hein. On se laisse aller à un petit peu de gourmandise, hein, sur cette épreuve. Qu'est-ce qu'il fait, lui, à me pousser comme ça, là? La ligne hirsute. Enfin, seulement 6 éliminés, hein. C'est terrible. J'aurais aimé qu'à ce moment de la partie, on soit déjà un petit peu plus. Allez, 7 éliminés. 8, j'en ai entendu tomber, non? Non. 9. Si personne tombe, va falloir faire tomber, hein. J'accroche à la culotte. Pour rien en plus, hein. Franchement, pour rien du tout. Oula. Casse-toi le cheval. J'ai presque envie de te dire, casse-toi le cheval. 13 éliminés, plus que 2. Allez. Pourvu que je ne sois pas dans les deux derniers. Plus qu'un, et je l'ai vu. Bingo. Joue pas avec le karma. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. La main Bomito. Non, le pire, c'est quand c'est celle-là en finale. Hein. Parce que là, ça va encore. Hein. C'est vrai, ne joue pas avec le karma ou il jouera avec toi. Lao Tse. Mao Tse Tong. C'est vrai que normalement, le grab, c'est direct dans ma gueule. Hein. Ba-bao ! Elle est bien, cette épreuve. Je l'aime bien, la truc électrique, là. J'aime bien ça. J'aime bien. Je suis gilet jaune encore, je me suis pas vu. Ouais, gilet jaune, bien sûr. Allez. 1 minute 40 pour y croire. Non mais, me prenez pas, mais quelle bande de cons! Bien sûr qu'on perd! On est servi que par des abrutis finis! Pardon, hein. Vous savez, c'est juste pour le show, hein. J'essaie de l'amener chez moi. Non mais pas moi! Ah bah je sais. Ah bah elle est là. On va voir mon vieux. J'aime autant te dire que tu ne l'emporteras pas au paradis. J'essaie de me barrer là de cet enfer.
Franchement, je me fais bolosser comme un âne. Non, non, non. Je t'explique. En fait, je t'explique. En fait, je t'explique. T'es chez moi, ici. Oh là, là. Ah merde, je l'ai percuté. Hop là, c'est non! C'est non mon vieux. T'iras pas plus loin. T'iras pas plus loin. Allez jaune là! Non! 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 J'ai zéro soutien. Personne vient m'aider, c'est ouf hein! C'est juste injuste. What? Je suis niveau 8? Attends, j'ai dû débloquer une flopée de merde quand même. Donc j'ai débloqué ça. Attends, attends. Donc ça, je l'ai débloqué. Par contre, ça non. Ça non, ça non, ça non, ça non. Bizarre ça, hein. C'est trop bien comme épreuve. Ouais, celle-là, elle est vraiment cool. Après, bon, je suis un peu, j'ai un peu été dans la spirale. Oh là, Jaquil Radi, bien sûr, qui débarque dans le stream. Comment ça va? Sept? Ça? Comme un lundi, frais dans la matinée, chaud dans l'après-midi. Un petit peu de beatbox. Ah, c'est épuisant. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille, clac. Allô, c'est chien. Merci, 7e mois d'abonnement déjà. 7e mois d'abonnement pour Jaquil Radi, merci infiniment. Pour le soutien. Force. Force, Jaquil. Force à toi, mon pote. GG le sub. Beaucoup plus de beatbox à prévoir hein, sur cette chaîne. Hein. Team Canap, bien sûr, à la vie, à la mort. Attention aux fraises. Attention aux fraises. On va pas y aller là. On va prendre le chemin. Le chemin des flipouzes. Tranquillou. Oh non! Allez, peut-être le save de le save d'une vie. Non, malheureusement. C'est pas grave, tout est encore possible. On va passer par le milieu. Ouf. Alors, c'était plus rapide. Non, mais... Ça l'était. Ça l'était. C'est vrai. Salut, connard. Je suis tellement deg. Non, mais qu'est-ce qui se passe, là, dans cette game-là? Je prends les mauvaises décisions. Voilà ce qui se passe. Je prends littéralement les mauvaises décisions. Je... Allez, on essaye. Non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. La box 4G qui souffre, merde. Allez, la prochaine. C'est pas grave.
Petit coup de mou, exactement. 13h20, petit coup de mou, c'est normal. C'est normal. Et c'est normal, on donne énormément sur ce stream. On donne énormément d'énergie. Donc forcément, 13h20... Ah ça, vous savez, c'est dans le lore coop et canap. Un petit coup de SodaStream, bien entendu. SodaStream est le partenaire officiel de ce stream. En effet, avec le code réduction coop et canap, vous aurez 20% de plus sur votre commande, qui iront directement chez SodaStream. J'ai pas encore fait la pause pipi, normalement c'est vers 45 ça. Mais effectivement, le lore commence à être bien ancré, on n'oublie pas le planning de cette semaine absolument insane. Fall Guys, Dark Souls, The Forest, Everwood, Ori, Musical Story, Monster Hunter Rise. Bref, énormément à venir. Énormément à venir. Une quantité juste astronomique. Juste astronomique de contenu. Ah ah, sympa les emotes. Les emotes Snaprox. Du lourd cette semaine. Allez, il faut qu'on débloque le compteur de finale là. Je vais rater The Forest. Oh non, on avait tant rigolé. On avait tant ri sur The Forest. Je m'étais tant énervé parce que personne ne suivait absolument aucune directive. Pour l'instant, c'est une masterclass. Oh, quel dommage! Ok. Et là, maintenant, c'est l'autoroute du fun. Ouf! Tout juste. Troisième. De quoi m'inspirer. Ah ça, c'est John, notre maître S-Planning, qui avec ses petits doigts potelés nous régale. Faut que je me fasse le replay de The Forest. Ah ouais, carrément, il est sur YouTube, je crois qu'on l'a mis. Écoute, si je devais résumer The Forest en un mot, ça serait déforestation. Voilà, ça serait un grand parking. Il fait son petit bâtard, lui, non? Quel bâtard! Quel bâtard! C'est vrai qu'ils en ont parlé aux infos. C'est vrai qu'ils en ont parlé. C'est vrai, putain! Bon allez là, les 5 derniers, on y va là, let's go! Allez, on se motive! Il est tombé? Non, il est là, c'est bon. Allez, c'est win. Absolument, ouais. Le seul stream, on fait des places de parking et des arrêts de bus dans The Forest. C'est le mercredi soir. Mardi soir, mercredi, c'est Top Chef. Eh, j'aimerais bien qu'on ait une petite finale, là. Ça fait un moment qu'on n'y est plus allé, Ça fait un petit moment qu'on n'y est plus allé, qu'on n'y a plus foutu les pieds. En finale. Cerceau, j'aimerais bien. Cerceau, franchement, j'aimerais bien. Oh, évite les obstacles et effectue 2 tours de circuit. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh yes! Oh, c'est rigolo ça, tiens. Encore une nouvelle épreuve du coup, J'ai voté non, pas de pression. 5K sur le oui.
Allez, c'est parti. Alors, comment ça se passe, là, du coup? Oh, non, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Oh, je pense que j'ai fait un bon décision making. Mais casse-toi, le chat de merde, là! Je ne fais que rebondir. Je suis comme une boule de flipper. Oh là 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 là. Oh, dis donc, c'est compliqué. Elle est compliquée, cette manche. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là là, dis donc, hé! Ah non, je l'avais pas vu! Wouah, elle est trop bien! De toute façon, ouais. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le deuxième tour déjà un peu plus fluide. Enfin, c'est ce qu'on va voir ici. C'est bon, je suis passé. Pff, insane, je reprends des places! C'est là que ça se passe. Non, c'est ici que ça se passe. Oh, Bosso! Oui, vous avez entendu, Bosso, comme Patrick. Bien sûr. Ok, j'y suis. Sa mère! Elle est trop trop bien cette map, hein. Il faut qu'ils en font d'autres. Il faut trop qu'ils en font d'autres. Il faut qu'ils en fassent d'autres, hein. Quel bordel, je te le fais pas dire. Quelle imitation de Brad Pitt dans Snatch, merde. Je l'ai pas capté. Elle est trop trop bien, putain. Elle est trop trop bien. J'en perds complètement mon latin. C'est aussi ça, le live streaming. La diffusion de contenu en direct sur Internet. On est combien? 35, là? Donc, épreuve 3. Ah, putain de merde, ta mère. Ça, on le sait, hein. Ça, c'est qui tout double, hein. Ça, c'est qui tout double, hein. Allez, let's go. Ah, on a personne qui va en émissaire, là. Il nous faut un émissaire. En même temps, pour le moment, ça paye. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va prendre l'aspi. Yes, c'est bien. Ouais, belle. Non, qu'est-ce qui se passe? Oh non. L'équipe qui était jusqu'à présent absolument exemplaire est en train de se faire bolosser. Allez, c'est bon, ça tombe. Oh non, les bleus qui viennent chez nous. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Allez! Oh là là, bien sûr, clutch! Complètement clutch, alors que notre balle ne cesse de remonter. 58. Ah, c'est terrible. C'est terrible! Les épreuves d'équipe, ça m'énerve. Eh ouais, requin robot, bien sûr. Ouais, ils l'ont ramené directement sur la ligne de départ. Allez, c'est pas grave. Il est que 30, hein. Il est 30, les gars. Tranquille, hein. Les épreuves d'équipe, ça m'énerve. Maintenant, c'est ultra focus. C'est UG focus. Le back-to-back. Ah, le back-to-back, on sait pas. Hein. On sait pas, hein, si ça sera ce midi. Mais bon, il reste une demi-heure. L'important, c'est d'y croire.
Ouais, c'est ça. Faut que je mette le chat en emote only. Ça me déconcentre trop, en fait. Je perds tout. En fait, je perds complètement mon focus. Non, j'attends que John vienne filer les 5 subs lors de la finale. Comme la semaine dernière. Très, très douloureux. Très, très douloureux souvenir. Ouais. La semaine dernière, c'était très compliqué, ça. Hein. Même si, bien sûr, enfin, j'étais pas dans la game, hein, donc ça aurait été compliqué de la gagner, quand même. Hein. Mais bon. Allez, let's go. Putain, Mugman, il est trop stylé, quoi. C'était dur, mais fun. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai vu un truc voler. Mais aucune idée de ce que c'est. Ouais, c'est bien. On baisse tout. Allez, c'est bien, on monte, on grimpe avec les petites gambettes. Ave les gambettes. Gambatté. Putain de merde. Et ouais, mais quand t'es pas dans le pack numéro 1, là, eh ben c'est souvent compliqué. Les plus grands du Fall Guys Game, vous le direz. Là, ça va être très compliqué. Tout le monde va me tomber sur le cul, là. Pardon. Allez, c'est bon. I'm in. Non, mais c'est pas vrai, mais barrez-vous. Laissez-moi ma planche. Oh, c'est terrible. Terrible histoire. J'espère ne pas avoir été le seul à galérer comme un âne. J'en ai malheureusement un petit peu l'impression. Allez, let's go. Ouais, putain, on va y aller, les gars. On va y aller, en fait, parce que tous ensemble, tout est possible. Un champion. On y arrive, les gars. Le poulain. Il est là, le poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et promo sur les soft gifts. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Oh, trop bien. Elle est vraiment bien, celle-là aussi. Je l'aime beaucoup. Elles ont de la gueule, hein, les nouvelles épreuves, hein. C'est cool, hein. Oh là là, dis donc, le shortcut. Oh non, quel connard. Mort pour la France. Allez, ça c'est juste pour emmerder ceux d'en face, hein. Allez, pour l'instant, c'est insane. Merde. C'est là que ça se passe.
Oh, belle, le petit saut là pour donner un peu d'accélération, complètement gâché par le reste de l'épreuve. On n'oublie pas, le gâchage c'est ici. Casse-toi, casse-toi! La limace. Jo la limace. Oh, boum, on monte. Oh non, mais c'est pas possible. Allez, c'est pas grave. Ça m'énerve, j'aimerais bien passer par là, mais bon. Après, le spot ici est bien, hein, attention. Hein. Mais bon, c'est vrai que bon. Nous, notre but, c'est la win. Hein. Ouais, ils passent encore sur les nouvelles maps. Non, mais c'est surtout que de toute façon, ils en rajouteront à chaque saison. Hein. Donc après, ça va nous faire un truc où il y aura une centaine de mini-jeux. Enfin, je veux dire, Mario Party, il y en a moins. Hein. Et puis bon, beaucoup de gens disent que le jeu est dead, qu'il n'y a plus grand monde, mais je galère jamais à trouver une game, hein, quand même. Hein. Vous le savez parce que vous êtes là quasiment toutes les semaines pour le truc. En vrai, on galère jamais. Hein. Alors là, ça va forcément relancer hein, les nouvelles maps, le nouveau season pass et tout. Qu'est-ce qu'il branle, lui? Mais en vrai, enfin, je veux dire, il y a des jeux morts. Genre, je pense que le Battle Royale H1Z1, à une époque, quand tu cherchais une game, t'en avais pour au moins 25 minutes. Hein. T'as le temps de te faire un café, de te faire à bouffer. Hein. Là, il y en a qui prennent cher. Hein. Il y en a qui prennent cher. Hein. Là, on suit un joueur, c'est pas un numéro 10. Hein. Bah, les party games, il n'y en a qu'un, hein. Non ? En Battle Royale. Allez, il reste une place, les gars ! Attends, qu'est-ce que je branle avec ma caméra ? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ils ont tous voulu prendre les petits bumpers, là ? Par contre, ce qui est cool, si on est 29, c'est qu'on ne peut pas faire de jeu en équipe, ni à 2, ni à 3. Donc, on va encore être sur une épreuve individuelle. Et ça, c'est oui. Ni à 4. Ni à 5. Est-ce que ce serait pas un nombre premier ? Exactement. Mon objectif, un nombre impair, non multiple de 3. Quand j'ai testé Roller Champion, minimum 1 minute pour lancer une game. Eh ouais, eh ouais. Mais Roller Champion, Roller Champion, j'ai un peu peur qu'il fasse pas long feu, celui-ci. Je lui souhaite absolument pas un funeste destin, hein. Qu'est-ce qui... Il s'est suicidé, ce con. Mais j'ai un peu peur que... Ouais. Ils aient pas trouvé la bonne formule. Alors. Oh, salope. Aïe, aïe. Ok, non, c'est bon. Il s'est pas laissé prendre au piège. C'est moi qui fais la poule. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui, avec ses œufs de merde, là? Ça, c'est Mika, ça. Ça, c'est sûr, c'est Mika. Et après, il va falloir qu'on positionne la prochaine soirée viewer, hein. Un petit peu de golf. Ah, je dis ça, on a pas statué encore. On fera un petit sondage sur le Discord. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, c'est bon, on peut souffler un petit peu. Ça tape, mais c'est pas méchant. Eh, 10 secondes. 10 secondes. Bean fucking go! Un Monster Hunter World. Ouais, on se fait un petit Monster Hunter World pour la prochaine soirée viewer. 19, ni divisible par 3, ni par 2.
Ah, c'était Hyperscape, le BR Duby. Oh mon dieu, quelle saloperie, ce truc. Oh, les cerceaux, vous le savez, c'est qui tout double. Hein. J'adore cette épreuve, hein, mais c'est qui tout double. Il peut y avoir des larmes. Je vais acheter un nouveau jeu. Attends, on n'y est pas, hein. Le fais pas tant qu'on n'a pas dit, hein. Faut pas se mettre... Ouf. Ça va être terrible, hein. Ça va être terrible parce que je vais pas l'avoir, hein. Ok, si je vais pas l'avoir, dans ce cas... Ça servait à rien d'aller chercher le 5. Mais ça, y'a que les grands joueurs de Fall Guys qui savent. Casse-toi. Oh, y'en a un là-haut. Attends. Oh non! Je l'avais tellement! Je l'avais tellement fort! Et la hache de merde! Ouais, c'est bon, ça passe. C'est un petit peu à la zub, mais ça passe. Ça passe pas pour lui. On va essayer de le récupérer. Ok, je me suis vraiment fait niquer de A à Z. Et par niquer, je veux bien dire pas la déesse de je sais plus quoi, là. La déesse de Tse, là. Il y a encore de la place? Ouais, il y a encore de la place, c'est bon. J'ai encore un peu le temps de patienter. Attends, je vais le prendre, celui-là, non? Voilà, plus qu'un. Je vais me le construire. Non, je vais pas me le construire. Jamais de la vie, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il monte sur mon truc que j'étais en train de me construire. Non! C'est bon, il y a encore le temps, il y a encore la place. Mais est-ce qu'il y a encore l'énergie? Elle est là, l'énergie. Le cas culture. Non, peut-être pas le cas culture. Non, on a... Master of the Grid, on avait comme idée aussi. Petit Master of the Grid. Attends, est-ce qu'on serait pas en finale, là? C'est la dernière, là, non? Et ça y est, j'ai très envie de pisser. Hein. 13h45, hein. Réglé comme une horloge, c'est de la précision suisse. C'est la finale. C'est sans doute la finale. C'est la cinquième épreuve. J'ai pas compté, je compte jamais. Ça prend de la place dans mon cerveau, et j'ai besoin de tout mon cerveau. On y est! En mode FIFA. Il fait trop chaud dans ce bureau. Allez. J'oublie pas de brancher l'ordi. John, pas de subgift. Pas aujourd'hui, pas maintenant. On va peut-être pouvoir écrire l'histoire ce midi, ça serait fou. C'est pas grave. On en a pas besoin. Allez. Il y a trop de monde ici. Attends, je vais essayer de péter le... Casse-toi! Putain, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On va se foutre sur le côté, là, et on va juste faire notre vie. C'est compliqué de faire sa vie. For both of us. Ah! Bien sûr! Merci pour les subgifts! Je sais pas qui est le bâtard qui a fait ça! Mais je le remercie, putain! Je le remercie! Je regarde pas! Liberté! Mon dieu, tellement de musique! Pour le moment, je suis exemplaire. Oh, je crois que j'ai une petite autoroute, là, qui se dessine. Attends, lui, c'est interdit que tu viennes me casser les couilles. Je te le dis tout de suite. Ouais, mais du coup, je suis tout seul. Quel connard. Allez, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce solo est possible? Je ne pense pas. Allez, c'est pas grave. Oh là là, il s'y attendait pas, la tomate. Attends, on y va. Non. Bah.
C'est pas grave. C'est pas grave, il est encore que 45. Merci Olivier pour les 5 subs à la commu. Merci beaucoup. Ça en est où des paris? Eh bien écoute, la première partie était littéralement le premier top 1 de ce midi. On en est déjà au deuxième, c'est la photo subgift. En fait, j'étais complètement plus dedans en fait. À partir du moment où il a fait la subgift, si tu veux, j'étais plus dedans du tout quoi. Donc du coup, forcément... Forcément, pour moi, ça n'a pas marché. Allez, je vais pisser très vite. Je vous laisse avec Nicolas Cage. Le coussin prend vie. C'est la photo subgif, putain! Non, Olivier, merci beaucoup. Merci de soutenir la chaîne. C'est trop bien. Ce coussin me fait vraiment peur. Ce cousin, effectivement. On a le même nom de famille. On a le même prénom, donc on est cousin. Il fait son Snoop Dogg. Ah, putain! Il fait son Snoop Dogg. Tu m'as tué. Ça t'a peut-être déconcentré. Genre, c'est pas fait exprès. Genre, c'est pas pour ça que tu l'as fait. Non, pas du tout, ça va pas déconcentrer. Non, j'étais focus. Là, sincèrement, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu un mauvais decision making à quelques moments. Une petite faute d'inattention et de maladresse aussi sur l'avant-dernier terrain où j'aurais peut-être pu mieux prévoir ma chute. Bon, voilà, je veux dire, les plus grands sportifs font des erreurs. Je n'échappe pas à cette règle, même si je ne suis pas un grand sportif. Voilà. Allez, let's go. On se refocus. Et n'oubliez pas, c'est le money time hein, maintenant. Tout peut arriver. Tout peut arriver. On est dans les dernières games, les dernières minutes de ce stream. Événement, car c'est la nouvelle saison. Événement, car je pue la merde. Événement, car je vais passer par le milieu. Ah, putain, presque. Presque! Ouais, c'est pas grave. C'est dingue. Oh, c'est stylé, c'est les trucs qui tournent, hein. Mais. Allez, attention, option germe pour tout le monde. Yes. Oh, ça passe. Snoop qui a rage quit, ouais. On voit le petit 2 au début du pseudo. Oui, on voit qui a voté oui, qui a voté non. Et disons que ça ne m'étonne pas. Mais en même temps, on est déjà sur le deuxième top 1. Il y a déjà eu un top 1 qui était absolument magnifique. Voilà, on est sur le deuxième. Pour moi, le taf est fait. Mais maintenant, j'ai envie... Voilà, je veux écrire l'histoire avec vous ce midi. Je veux que ce midi, on s'en souvienne encore et qu'on se dise, putain, c'était le 22 mars quand Nico a fait 2 top 1 dans le même midi. Et c'est vrai qu'au final, moi, en ayant mis... Eh oui, du coup, moi j'aurais gagné des points. J'aurais pas gagné des points. Personne n'a clippé le top 1, non, je crois pas. Enfin, je vois qu'il y a 2 clips sur le stream, donc il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait. C'était, Stéphanie, c'était clean, hein. C'était sur Hexagone Infernal, c'était clean, hein. Salut, Jeanne! Bienvenido! Le premier pari, c'était sur le premier top 1, et... Suite au premier top 1 qui était à la première game, j'ai relancé un deuxième pari pour un éventuel second top 1 dans le stream, bien sûr. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas... J'allais dire... Voilà, c'est ça. J'avais pas le cerveau branché à la bouche et du coup, j'ai dit sans dire. Allez, on est les jaunes, je en équipe. Chaise, ça dégage. Ok. C'est pas grave. Moi, de toute façon, le début... Ce que j'aime, c'est me foutre là et attendre de gratter un petit go. Merde. Ah, il en avait une. Salut la tomate ! Oh, le bâtard ! Je suis trop deg. C'est pas grave, je vais me foutre là-bas.
Ok, le bleu. On le prend. On le chope. On le chope. Chopez-le. Conserve ta queue. Conserve ta queue, là, s'il te plaît. Allez, on va essayer de se prendre un petit coup de marteau. Bon, bah alors toi, mon vieux. Alors toi, mon vieux, la réponse du berger à la bergère. Oh, mon dieu. Viens là. Hop là, la réponse du berger à la bergère à nouveau. Une queue très, très bien conservée. Ah là là, c'est compliqué. Hop là, ça dégage le verre. Vincent Bolossé. Boum. Back to the camp. Combien il reste? 12 secondes. Allez, un dernier piège. L'envie d'y croire, l'envie d'espérer. Oh, salut mon vieux. Bon, c'est bon. Et on est tranquille en termes de queue, mais ça peut encore se retourner. Non, c'est bon. 3, 4... Prolongation, non. Non. Mon pire cauchemar. Ah bah attends. Ah merde, t'en as pas, toi? Non, 8 queues, franchement... On est tranquille en termes de queue, mais ça peut encore se retourner. Coat of the day, absolument. Absolument. 31, qui n'est ni un multiple de 2 ni de 3. Tout va bien. On a passé l'épreuve en équipe. Chelou. Out of context, coop et canap. Putain, mais on aura... Franchement, on a genre 150 followers, mais on a toute la panoplie, quoi. Il nous manquera un Instagram. On va avoir une boutique. Allez, ça passe! Non, mais quel connard, celui-là, là, avec son Bermuda. Ça passe ça. Ça passe ça. Oh là là là, quel talent. Allez, bah, lève-toi, Eve, lève-toi. Et danse avec la nuit un peu, non? En cas. Oh putain de merde. Allez, au milieu pour la win là. Oh mais c'est pas vrai! C'est pas grave. Allez, au milieu là, l'argent. C'est bon, ça passe. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Attendez, c'est les techniciens de la fibre? Non, bien sûr que non. Nous sommes en campagne. L'émission de cuisine Coop et Canap où vous reprenez les épreuves de Top Chef, c'est une très très bonne idée, ça, Roblé. Oui, c'est vrai que les t-shirts, on pourrait faire une petite quantité, bien sûr. Non, non, mais après, je sais qu'il y a des... Il y a des sites sur lesquels tu mets et puis en fait ils impriment. La qualité est pas folle, mais c'est vrai que si vous voulez qu'on fasse un truc comme ça, on pourra. Hein. Tu sais, ou genre, je sais plus sur quoi ça s'appelle, sur quoi c'est sur Etsy ou une connerie comme ça, et puis en fait on fout des. Des t-shirts imprimés. Imprimés. Oui, non, mais. Au mauvais heure, va pas faire les t-shirts Coop et Canap. Ce pauvre garçon, il a un travail. Allez, on est vigilant sur cette épreuve. On sait que ça peut se retourner très très vite. Mais c'est peut-être déjà la possibilité d'une avant-dernière finale. Quelle heure il est pas encore 14h, donc... Allez, attention à ces boules. Elles sont où les boules? Elles sont là. Ok. 30 secondes. 30 secondes pour un rêve. 30 secondes pour une vision. I had a dream. I have a dream. Yes, the yes, need the no to win against the no. Oula. Et casse-toi, toi, franchement. C'est pas grave. Merci, honnête code flingué du cul. J'aurais dû mourir à peu près 600 fois sur ce game. Voilà. 600 fois.
14, c'est déjà possible d'avoir. Et ça sera sans doute la dernière finale de ce midi. Let's go. On voit. Allez, go. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là, les hexagones, à 14 personnes ! À 14 personnes ! Ils sont là, les hexagones infernaux ! Ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom ! Allez, on va tomber là. C'est très sportif, hein. C'est très sportif à 14 personnes. Où tu vas, Nicolas? Ne t'enferme pas dans ce trou de sac. Un trou de sac, bien sûr. La nouvelle expression à la mode chez les jeunes. Oh non, oh non. Eh, c'est pas grave. Est-ce que j'ai encore une place? Oui, j'ai encore une place. Il y a encore une place pour les rêveurs. On le sait, ce n'est pas fini. Cela va être extraordinairement compliqué. C'est pas grave. Non, non, mon vieux, je t'explique. Oh là là, mais c'est déjà l'avant-dernier temps, non ! Mais quel enfer! Mais quel enfer! Mais quel enfer ce midi! Attendez, quelle heure il est? Attendez, quelle heure il est? Attendez une seconde. Il serait pas 58 par hasard? Il serait pas 58? La dernière, la dernière des dernières. Il ne peut plus rien n'arriver à partir de là. Maintenant, c'est la fin. La dernière étape. Merci, merci, merci bien sûr. Deux minutes pour win, je pense. Tout peut arriver. Tout peut arriver à partir de maintenant. Mais par contre, sauf en relancer une, voilà. Tout peut arriver sauf ça. Allez, ça c'est une formalité, une épreuve de santé. Tout peut arriver. Il faudrait vraiment que tout ça aille très très vite. Hein. Le chargement, le machin, le... Il faut que ça aille vite maintenant. Par contre, parce qu'après, je vais vraiment être à la bourre IRL. Enculé. Allez, c'est pas grave. Tout peut encore arriver. Oh, il a le shark... Le shark mécanique. C'est bon, ça c'est fait. Ça c'est vraiment mon fav. En fait, fav. Fav si t'es d'accord, RT si t'es triste. Ouais, c'est parti. Yes. Yes. Barrez-vous ! Barrez-vous ! Putain ! Je me fais un peu malmener, mais ne vous inquiétez pas, tout peut arriver. C'est maintenant que les ailes poussent. YOLO ! Oh putain, je me suis fait démolir la gueule. Oh là 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 là. Horrible histoire, horrible histoire. Non, c'est bon. Allez, allez, on attend le match retour du rouleau. Et c'est parti. Ouais, ça va le faire. Juste let's go en fait. Juste let's go en fait. C'est le Stéphanie time. Ouais, ça va, mon travail c'est ma passion de toute façon, donc je travaille jamais, hein.
Je suis pas mauvais, hein. Je me suis fait bolos, hein. Attention, hein. Attention, hein. Parce que je fais attention au terme, moi. Hein. Petite licorne, elle y arrive pas, hein. C'est terrible. Hein. Un ladder, bien sûr qu'il nous faut un ladder. Je viens de faire sortir un mec de mon bureau parce que c'est le top 1 time. Merci, thank you. Aïe aïe aïe, c'est divisible par 2, c'est divisible par 4, c'est divisible par énormément de chiffres. Par 4. L'attrape-queue en équipe, hein, c'est très très jouable. C'est une de mes épreuves favorites. Même s'il n'y a que 11 personnes qui vont se faire éliminer. Allez hop, chais. Je fais un peu le mec en fait. Yes, on a déjà un jaune qui est AFK, c'est le plaisir. Non, je vais essayer d'attraper d'autres couleurs pour moi en fait. Ouais. Oh non! Oh, je l'ai loupé. Allez, c'est pas grave. On va setup un super trap. Il arrive. Il est là. Ma proie! Oh non! Je l'ai eu. Non. Bon, c'est pas grave. Merde. J'ai l'impression qu'on a la même idée. Oh non! C'est pas grave. Viens là, mon grand. Pour le moment, c'est très compliqué. À moins que... Ça y est, les jaunes se réveillent. L'éveil des jaunes. Allez, faut que je la garde, là. Faut que je la garde bien précieusement, comme si c'était mon bien le plus cher. Oh non. Oh non. C'est bon, c'est win. Allez, on la garde. 2 secondes, 1 seconde. Personne ne la prend. Yes. Ça a failli être terrible, hein. Ça a failli être absolument terrible. Et ça passe, ça continue. Le rêve continue, le rêve olympique. Divisible par 3. Ah, Cyril, c'est un ban def. Oh ouais. Trop cool. Ça va y avoir des variations, ça va être une dinguerie. Hein. Ça va être une dinguerie. Hein. Oh, j'ai failli appuyer sur quitter. Mon dieu. Allez, c'est bon, on a fait le tour. Voilà, ça y est. Ok. Allez, il est déjà 14h04. On va peut-être pas, voilà, hein, passer 2 heures là-dessus. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien, ça passe. Ouais, là aussi, il y a la place. Yes, on est vraiment dans le peloton de tête, là, hein, c'est magnifique. Hein. Oh non, c'est bon, ça passe à nouveau pour le joueur français. Un petit peu chaotique. Hop là, qui passe par au-dessus, tellement il est fort. Ok, premier tour qui s'est passé pour l'instant sous les meilleurs auspices. Oh là là, mais regardez ça, il power boost complètement. Non, on va passer par là. Casse-toi le nuage. Pour l'instant, c'est vraiment l'autoroute du fun. Regardez ce talent!
conjugué au fait d'être humble. Merde, comment ça s'appelle? Merde. Easy as fuck. Le petit prince de la course. Les années de Mario Kart n'ont pas été vaines. Il est second qualifié. Premier qualifié. Let's go! Let's go! Elle est trop trop bien cette épreuve. Elle est trop trop bien. J'ai vraiment hâte de voir les... Parce qu'ils font des mises à jour tous les mois, je crois. Et de voir un petit peu les variations qu'ils vont mettre dessus. Parce que franchement, elle est trop trop bien. Premier. Premier. Tout là-haut dans le ciel, cette performance sportive. 21 qualifiés. 21, c'est divisible par 3. Niquez-vous. Fall Guys, niquez-vous. Putain, c'est divisible par 3. Ça va être terrible. Le prochain coop et carrière, c'est le mois prochain. On enregistre semaine pro, normalement. Il va falloir que je fasse, d'ailleurs, qu'on voit. Qu'on voit quand est-ce qu'on peut enregistrer. Allez. Allez, j'ai envie de rêver à une épreuve individuelle, même si on est divisible par 3. Le foot, c'est possible. C'est sûr que non. Allez, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Mais c'est pas grave. Non, mais elle est bien, l'épreuve est bien, hein. Mais ça risque d'être compliqué. Attends. On passe par en bas. Salut les frères. Salut les sauces. Yes, on est bien. Mais qu'est-ce que tu branles? Ça m'énerve. T'as ça le dos de me bander, ça, vraiment, hein. Allez, on bolosse les bleus. Pour l'instant, ça se passe bien, mais il reste encore une minute. Rien n'est joué dans cette épreuve. Oh, beau save. Très, très beau save. Allez hop. Oh, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Ça sert à rien, c'est insane. C'est vraiment juste de la marche. Allez, pour l'instant, ça se passe très très bien. On a vraiment quasiment 100 points d'avance permanente. Mais il faut les conserver encore 15 petites secondes. 15 secondes pour une finale. Une finale à 10. Est-ce que ce serait pas la plus belle façon de terminer ce stream ce lundi? Oh, c'est une déculottée! Déculottée! Allez, les amis, c'est la dernière finale. Il n'y a plus que ça qui me sépare du top 1, du deuxième top 1. On écrit l'histoire ensemble, les amis. J'ai vu un peu le niveau de mes collègues de jaune. C'est prenable. C'est prenable. Oh mon dieu, non. Oh mon dieu, non. Chat, ton émoticône only. Topiro. Oh non, enlevez ça. Kamodo, enlève ça. Je lis pas, de toute façon. Hein. Je lis pas. Hein. Allez, c'est parti. On a déjà été dans les deux derniers sur cette épreuve, hein, donc c'est complètement jouable. Hein. Ça, pour le coup, c'est l'épreuve de la gerbe. Hein. Allez, soyons vigilants, tous ensemble contre le Covid, les gestes barrières. Oh, j'ai failli pousser pour la victoire. Je vois que ça pousse, hein, déjà. Hein.
Je vois qu'il y a des petits malins qui poussent, hein, donc il va falloir être très très vigilant. Là, la tête de boule disco, là. Allez, ça y est, ça va commencer à s'accélérer un petit peu. Hop là, on y va. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, le save! Le save qui sort de nulle part! Allez. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a eu un très très gros save, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on m'a percuté de toutes ses forces sur mon petit corps, tout galbre. Blr. Blé. Attends, je fais n'importe quoi. Non, c'est bon. La situation. Le mucus qui est monté hallucinamment haut. Allez, 5 sur 9. On le sait, plus que 3 personnes à éliminer sur cette game. La prise de décision est de plus en plus rapide. Oh là 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 là. Ok. Et c'est gagné! Et c'est la victoire! Yes! Bien sûr! Boum! On a écrit l'histoire ensemble! On l'a fait ce midi! Give me the money! Bien sûr! La victoire! Incroyable! On a écrit l'histoire ensemble! Je suis comme ça, hein! Bravo! Bravo, Fall Guys! Auto emotion! Bravo, bravo, bravo! Putain de merde! On l'a fait, les gars! On l'a fait! Back to back to back! Je fais nimp! Au secours! Au secours! Attendez, je fais nimp! Voilà! Hop, tac, un peu zik. Allez. On a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire. Les émotions. Votez oui, deux fois oui pour Martin, qui a été sensationnel sur les performances ce midi. Deux victoires ce midi. C'est beau. C'est beau. Incroyable. Incroyable. Une prestation exceptionnelle. On l'appelle le petit prince de Fall Guys. Qu'est-ce que vous voulez aller voir? Oh bah attends, je vais aller voir Moguri, hein. On va aller faire un coucou à Moguri, hein. Je crois que... For both of us. Oh, Stéphanie, incroyable! Merci! Let's go! Allez, tous ensemble! Tous ensemble ce midi! Liberté! Liberté, bien sûr! Merci! Merci infiniment, putain! Merci Stéphanie, tu es incroyable! C'est trop gentil. Allez, c'est parti. À l'aise. Blaze sur du Piggle. On va se faire plaise sur Piggle 2. Liberté, liberté à vous. Ciao, à demain soir. Demain soir, on n'oublie pas Dark Souls, The Forest. Salut Sandrine. Un des t-shirts, ça risque d'être ce mec qui dit liberté. Dark Souls et The Forest, demain soir, on n'oublie pas. On vous donne rendez-vous. Merci infiniment. Vous avez été incroyable ce midi et j'espère que vous êtes bien amusés. Moi, ça a été le feu. Je tremble d'excitation. Et je vais avoir des tonnes de sous pour acheter des skins de merde et on va bien, bien gaulerie. À demain peut-être. Ciao tout le monde. Ah non, attends, putain, je voulais faire sur un peu une montée du truc là. J'ai tout loupé. Une statue dans ton jardin, putain, bien sûr. Bisous, bisous Stéphanie, bisous Dat, girafe. Bisous Roblé, bisous John, bisous Breznight, Achali, grosse grosse bise. Allez, on va voir les Blaze.